L'histoire dont on parle le plus cette semaine lorsqu'on se promène, c'est l'affaire du bon. Ouais. On y va de révélation en révélation et on se demande comment ça va retourner tout ça. Ben, je sais pas si on suit au producteur, au réalisateur de l'émission, il dit qu'il n'aurait jamais fait un film semblable. Ouais. Si il y avait des doutes. Je connais bien l'auteur, Daniel Danseau, c'est elle qui était l'auteur des trois séries, Le Négociateur. Mais de plus en plus, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ce dossier-là. C'est toute réserve. Si j'ai ce que j'ai ce matin à 9h, vous allez peut-être comprendre certaines choses dans ce dossier-là. Moi, là, c'est sûr, hier, j'ai parlé avec l'avocat. On ne veut pas aller trop loin sur le concierge à l'époque. Hein? Ouais. Le concierge, là, c'est pas quelqu'un de la famille, pas quelqu'un qui a entendu quelque chose. Il s'est fait voir par Michel Dubon. Il y a des choses dans l'affaire Dubon qui ne sont pas claires. Et ça presse que ça soit éclairci. Mais là, vous ne voulez pas nous donner quelque chose que vous allez avoir en avant, même non. Un petit indice. Ah, non. D'abord, ce n'est pas confirmé. Ouais. Deuxièmement, il faut faire attention, parce qu'en passant, là, les gens de Québec se sont permis de planter l'évêque, puis moi, là, on n'a pas de leçon à recevoir des poussées de crayon, des vendeurs à bonbons en scène, des postes de radio à Québec. Vous êtes jaloux, puis vous avez le kilo à voir ça d'appeler rechercher pour avoir les numéros de téléphone. Vous aviez séché, je peux vous le dire, à l'avenir. Merci. C'est clair. Oui, ben, moi, c'est Cagnon, là, tout poussé de crayon de Québec qui viennent nous dire ça, là. Qui nous ont planté à Canon, à Québec, là. Pas vrai, les autres, n'ont pas de leçon à savoir, là, vous autres. Restez dans votre village, mon Dieu. Bon, faites attention, là, parce que vous parlez à quelqu'un qui vient de Québec, là. Ah, non, j'aime bien les gens de Québec, mais tu sais, quand on se permet, puis ça demande en plus de ça, les numéros de téléphone. Faut-tu avoir du kilo? Ouais. Ben, j'espère que Bruno Genet va arrêter de donner les numéros de téléphone. Merci, à plus tard. Merci, à tantôt. Et oubliez Tuscan. Une nouvelle pour Claude Poirier.